Shalom à tous. Je vois des vidéos d'une dame qui, dans cette histoire de Balthazar, se permet de citer le nom de la coach Amon Chik. Et je vois plusieurs qui sont en train de faire des panels pour dire, oh, il faudrait que la coach Amon Chik porte plainte. En fait, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Quand un chien aboie et veut affronter un lion, si le lion descend pour affronter le chien a déjà gagné. Parce que même s'il meurt, l'histoire retiendra qu'il a eu affronté un lion. Le lion, malgré sa victoire, on dira, tu n'as pas eu honte de descendre dans l'arène pour combattre un chien. C'est la raison pour laquelle il y a un dicton très important qui dit, les chiens aboient et la caravane passe. La coach Amon Chik ira porter plainte, elle va alors ouvrir des débats, parce que les mêmes diront, mais si tu n'as rien à te reprocher, tu portes plainte pourquoi? C'est parce qu'elle veut faire taire la femme là, qu'elle porte plainte. La coach Amon Chik a fini de répondre. Elle dit qu'elle donne 5 millions de francs CFA à quelqu'un qui peut prendre le soin de présenter une vidéo où elle est avec M. Balthazar en train de faire Alléluia, Amen. Mais comme il y a des personnes qui sont jaloux et aigris du succès de la coach Amon Chik, qui est la personnalité la plus suivie au monde. Je dis au monde. Il n'y a aucune personne au monde, francophone ou anglophone, qui fait des lives. Même Beyoncé n'a pas plus de visibilité que coach Amon Chik. On sait tous que certaines grandes stars américaines lancent des lives. Souvent, c'est 6 000, 7 000, 10 000 personnes qui les suivent. Mais la coach Amon Chik, elle est la seule depuis plus de 7 ans qui peut rassembler 22 000 personnes sur son live, de façon régulière, de façon quotidienne. C'est-à-dire, chaque fois qu'elle lance un live, minimum, minimum, on est autour de 15 000. Vous demandez à une reine de descendre de son trône pour venir répondre à une sépière. C'est que vous êtes méchant. La haine que vous avez contre la coach Amon Chik de constater que qu'est-ce qu'elle fait d'aussi extraordinaire pour être là où elle est. Vous ne pouvez pas comprendre parce qu'on appelle ça Dieu donné. Quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, vous allez beau faire, vous ne pouvez pas l'arracher ça. Maintenant, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu as ton con, elle a son con. Mais c'est toi qui as mal du con de ta camarade. J'arrive pas encore à comprendre. Vous voyez, il faudrait qu'arrive un moment donné dans la vie, on apprenne à devenir intelligent. Nous là, on nous a accusés de meurtre, d'insexe, de tout. Ça n'empêche pas des premiers ministres de nous recevoir. Ça n'empêche pas des chefs d'État de composer avec nous. Quand je vois des oubis qui n'assument pas leur oubia ou des lélés qui sont déterminés à pouvoir parler souvent de nous ou de moi, moi je suis trop content. Parce que je sais qu'ils sont dans les règlements de compte à bas les oubis. Ça on a compris. Mais la coach Amon Chik là, ce que cette dame est en train de vouloir faire là, c'est vous qui lui donnez de l'importance. Et comme le chômage et la pauvreté sont deux éléments qui vous fatiguent, vous êtes obligé de faire des panels matin, midi, soir, dans le but d'en parler, pensant que la coach Amon Chik tombera dans votre piège et se permettra d'aller porter. Elle ne portera jamais plainte. Parce que quand tu portes plainte, tu fais d'un dossier une série télévisée. Parce que tous les jours, les gens seront sur ton dos. La meilleure réponse qu'on peut donner à un imbécile,
c'est le silence. Je vais demander à tout le monde de me dire dans les commentaires ce que je viens de dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce TikTok est mon nouveau TikTok. C'est mon TikTok principal actuellement. Tous ceux qui vont voir cette vidéo, veuillez vous abonner. On doit retrouver les 2 millions d'abonnés que nous avons perdus sur le premier compte TikTok. Et je sais que vous pouvez le faire parce que vous aimez le général et vous aimez la vérité. Cette dame qui est en train de parler, si moi-même je veux m'occuper d'elle, c'est en détends-toi mouvement. Vous avez constaté que la plupart des grosses têtes des réseaux sociaux, on ne s'occupe pas parce que nous connaissons les aboiements des chiens. Et quand une chienne est en train d'aboyer, c'est parce que son poids est tout profané là. Il n'y a pas un bon homme qui lape ça. Donc on la laisse souffrir de son gourmet. Le matin où elle va se réveiller, où elle pensera que tout est fini, c'est là que les Congolais disent « Justice de Dieu, il y en a. » Bob Lee est mort. Hein. Affaire à suivre. D'accord. Merci beaucoup. Ok, la team, on va t'apporter partager tous ensemble. T'es célibataire, il faudrait que tu saches que mon compte principal, là, voilà, j'ai eu un souci, je ne peux pas l'arriver. On ne sait pas avec TikTok. Si TikTok est gentil, il va me donner avant le 19 novembre. Mais si TikTok reste sur sa décision, je ne peux plus faire le live là-bas jusqu'au 19 novembre à 16h04. Non, 16h44. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, je fais les lives ici. Ici, jusqu'au 19 novembre. Voilà. Puis, j'envoie mon numéro. Oui, bien sûr, tu envoies ton numéro. Pas sur ce compte-là. Je prends les numéros sur mon deuxième compte. La Bengi Ciara. Voilà. Tu me laisses ton numéro là-bas. Et ton âge. Coucou. Comment il s'appelle? Fatou, merci de l'abonnement. Fatou, tu dis que tu es célibataire, mais il faut monter, tu vas te présenter. Tu ne veux pas monter au tata. Tu ne veux pas monter, te présenter, je ne sais pas. Création, curiosité, dit, couture, bougie, résine. C'est quoi? Elle fait les sons. Je ne comprends rien. Maudit Lilia, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des sons? La, 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 la. Ma petite mamie, le telon. One game, tu as presque 1 million d'abonnés. Tu es célibataire, tu fais quoi sur mon panel? Faut monter, tu vas te présenter, non? One game, tu es qui? T'as pas photo de profil, tu es un célibataire? Tu veux que je te délivre?